Salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, et je vous souhaite un bon retour sur Yooka-Laylee. Et on vient de rentrer dans le troisième tome. Donc on a déjà une citrouille qui nous raconte que le monde a été agrandi, puisque je l'ai agrandi avant de rentrer dedans. Ça sent bien le monde d'Halloween là. Je pense qu'on va on va s'amuser. Déjà qu'on avait des personnages qui étaient pas très nets avant. On est obligé de passer par en dessous tant qu'on n'aura pas eu la capacité. Ah bah tiens, notre ami le serpent. Qu'il a en stock. Croche langue. Oui, si j'essaye d'acheter une technique, c'est généralement que je la veux. Yeah.
D'accord, donc c'est avec cette technique que je vais pouvoir m'accrocher au mur. Ça va être très sympa. Voilà. Comme ça, j'ai acheté toutes les techniques. Ah ouais, quand même. J'ai explosé tous les champignons autour. Et donc, normalement, maintenant que j'ai proche langue... Ouais, super. Ah, ça, c'est génial. Je vais pouvoir faire quasiment tout ce que je veux. Formidable. Tiens, il y avait un nouveau tonifiant de débloqué aussi, tant qu'on y est. Celui-là pourrait être sympa. Je sais pas s'il y aurait quelque chose sous un des champignons, mais... forcément. Et ça fait une page de plus. C'est bien, je résous des quêtes avant de les avoir prises. Oh, il y en a un qui est inclus. Si je peux marcher, si je peux aller dedans ou pas. Apparemment, on vaut mieux pas. Pour remonter encore un peu plus. C'est pas la meilleure route du monde. Hein.
comprendre un truc. Peut-être, j'ai dit bien peut-être parce qu'il faudrait que j'essaye, que le sonar explosif peut me permettre de casser les blocs de glace. Tiens, encore un chariot. Pirate avec une pêche. Bonne petite lutte dessus. Wow, c'est quoi? Labyrinthe de malade. Ah là, je suis mort. Ouais, si tu te fais toucher, si tu te fais attraper une fois par le mur du labyrinthe, c'est foutu. C'est pas le cas. Des fois qu'il fallait aller chercher un objet et revenir avant de se faire écraser. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui gêne en plus ? Je suis arrivé jusqu'à la page. Impeccable. Et je ressors de l'autre côté, bien entendu. Pour ce côté-là, c'est fait. C'est bon. Il y a des choses en face. On va retourner par là. De ce côté-là, il y avait des gouttelettes. Ça ramène au labyrinthe.
Il y a quoi ici? Ah, c'est la zone d'arrivée. Mais qu'on peut traverser grâce au crochet. Dans cette zone. Et ça ramène à la plateforme. D'accord. Et cette flaque là, il y a quelque chose dedans. Station de pompage et il y a une bagie. Mais je pense que j'ai pas été mauvais sur ce coup-là. Bon, du coup, j'ai bien fait de rentrer là-dedans. Alors. Non.
porte, mais elle est fermée. Je l'ai raté. La grosse loose. Je me suis raté mais comme un débutant. J'aime bien ce nouveau pouvoir. Wow, on joue à Frogger les gars. On saute sur des bûches pour traverser le marais. Et d'accord, il faut pas que je reste trop longtemps sur la bûche. Parce que sinon. Ça fonce. Ah, encore un chariot. Sans fouiller tout complètement. Ah. Inspect Roser. Je vais retourner là. Je viens pour finir de fouiller cet endroit là. C'est autre chose, ça pourrait être pas mal, surtout que j'avais un interrupteur ici, je sais pas à quoi il sert, mais il doit bien être utile à quelque chose. Il y a un autre spectroseur dans le coin. La porte que je voulais ouvrir tout à l'heure. Et puis en fin de compte, je vais m'arrêter ici pour cette fois-là. Donc j'espère que ce nouvel petit épisode sur Yooka-Laylee vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un joli pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Salut! Hey, watch out!